Bonjour mes petits déesseurs, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Aujourd'hui je suis là pour faire une vidéo de mes achats de livres. Du coup je vous montre mon gros craquage. Voilà, le sac est énorme. Bien sûr j'ai pas acheté tout ça chez Club. Il y a des livres de chez Club. Il y a des livres que j'ai acheté chez... Enfin j'ai un livre qui vient de Amazon et j'en ai qui vient de France. Du coup, je vais vous montrer tout ça. Je vais commencer avec le livre d'Amazon. C'est le Toy Story, comme ceci, avec les étiquettes dedans à coller. Que j'ai pas encore reçu les étiquettes. Voilà, je suis bien triste. En plus, le film vient de sortir. Et j'ai trop envie d'aller le voir. Trop envie d'aller le voir. Donc voilà, j'attends mes étiquettes et aller voir le film. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vu le film, ça me plairait bien de savoir. Alors après, on va commencer avec une chanteuse que j'aime bien, j'adore plein de chansons à elle. C'est Luna, mon histoire est belle. Voilà, elle est trop belle cette fille, j'adore. De Luna, je suis impatiente de le lire et l'écriture est vraiment bien. Il va être facile à lire et c'est un petit, il y a 170 pages, ça va être rapide quoi. Voilà, et du coup je l'ai acheté chez Club à 10,50 si ça vous dit, chez Club. Il se trouve sur Amazon, si vous voulez je peux mettre aussi la enfin, tous les livres que j'ai, si vous voulez, je mettrai un lien pour aller le chercher. Et ça vous dit. Après, ça, je ne pouvais pas faire sans les acheter. Bien sûr, c'est le livre de Disney. Preuve mon âme. Celui-ci est trop beau. Je suis impatiente de lire aussi. Enfin, tous les livres que j'ai, je suis impatiente de les lire. Du coup, voilà, il est magnifique. Ça aussi, j'ai acheté chez Club parce qu'il était un petit peu moins cher que chez... Enfin, au même prix, je crois, d'Amazon. Du coup, j'ai pris chez Club. Voilà, je suis impatiente de lire. Il a un peu pris cher dans le sac. Bah, c'est juste les petites étiquettes, c'est moins grave. Après, bah, on a la suite. Comme il y a 4 livres, bien sûr, je les ai les 4. Ça, je ne pouvais pas faire. C'est Maîtresse de tous les mots. Avec Maléfique, Maléfique et Dragon Maléfique. Il est trop beau aussi. Celui-ci est plus gros que l'autre. Je ne sais pas si vous allez voir. Il est plus gros. Voilà. Du coup, celui-là, il était à 15,10. Et celui-ci est à 16,20. Est un peu plus cher, il est plus gros du coup, voilà. Après, on va continuer dans la même série, hein, tant qu'on y est. C'est le rêve, ce rêve bleu, trop beau aussi. C'est un des livres un peu plus cher que toute la série. Il est à 18,35. Je suis impatiente de lire. Je pense que cet été, j'aurai pas mal de livres à lire. Mais comme je pars pas en vacances, je vais lire, je pense. Après, ben, le dernier hein, de cette série, l'histoire éternelle, le gros bouquin. Ah non, j'ai pas dit le prix celui-là par contre. 18,35, hein, ils ont même pris 18,35 tous les deux. Et... il est trop beau, j'adore. Il est aussi épais que celui-là. Voilà, ça fait quand même... Ça c'est les... J'essaie de les mettre tous les quatre, ils sont... Hop, voilà. Vous voyez la grosseur des livres. Il y en a un petit, un moyen et deux gros. Voilà. Je crois que j'ai pour passer mon temps. Après les autres, c'est une série complète de 12 bouquins. Je vais essayer de les sortir. Parce que je ne l'ai plus dans l'ordre. Que ça... J'ai le dernier. J'ai pas le premier. Je sais pas lequel est le premier. J'ai le 3, j'ai le 2, mais j'ai pas le premier. Bien sûr, c'est ceci. Un international.
Je sais pas si vous allez voir. Mieux gueule. Voilà. Du coup, je vous montre tous. Et je vous dis en même temps, il y a 12 numéros. Celui-ci, c'est le numéro 4 à Milan. Celui-ci, c'est le numéro 9. You. Il est beau. Le livre est beau en rose comme ça. Après, numéro 12 en Los Angeles. Il est beau aussi. Ils sont tous beaux. Le numéro 5. Je sais plus le nom. San Francisco. Un homme au service d'une femme. C'est ça en fait. C'est un homme au service d'une femme. C'est auprès de La Rochelle à San Francisco. C'est un peu call girl. En fait, c'est une femme riche qui se paye un homme pour des soirées. Et souvent, il reste un mois. C'est pour ça que le livre, c'est un mois. Le numéro 7, c'est Los Angeles. Le numéro 11, Rio de Janeiro. Le 2, New York. Le 3, Campanga Girl, ou je sais pas quoi. Je suis impatiente de lire. Je finis mon livre et je commence là. Le numéro 10, c'est les livres que je vais lire juste après. Le numéro 8, c'est Berlin. J'ai jamais été nulle part de ces livres. Ah ben le voilà, numéro 1, Paris. On commence par Paris. Ah ben, Paris va bientôt être dans mon... dans mes mains parce que j'ai presque fini l'autre et je vais commencer celui-là. C'est sûr. Et le numéro 6, Monte Carlo. Il est beau aussi. Et c'est tous des livres de couleurs, j'aime bien, c'est lumineux. Du coup, je vais essayer de vous montrer. La pile de livres sans tout faire tomber. Hop là. J'avais déjà lu la première série. Ça fait énormément de livres à lire. Quand je vois tout ce que j'ai à lire, ça fait beaucoup plus les livres de la box. J'ai trop de livres. Je ne peux plus lire pour le moment. Je n'arrive plus. J'ai trop de livres. Je ne sais plus quel commencer. Mais ça, c'est les prochains. Ça, c'est sûr. Et ben voilà, je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel livre vous préférez. Que vous avez déjà lu ou pas. Ou que vous avez envie de vous procurer. Surtout ceux-là. Ceux-là, n'hésitez pas à les prendre. Je crois que pour les fans de Disney, c'est ce qu'il faut prendre. Et en plus dedans, c'est écriture bien écrite. C'est pas trop petit, pas trop grand. C'est l'idéal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De mettre un pouce bleu, de mettre un commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.